Bonsoir, c'est Grand Corps Malade dans Basique. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé ? Grand Corps Malade est de retour. Avec Reflet, il analyse, commente et décortique sa vie, mais aussi son époque. Basique l'a installé devant le miroir. En regardant dans cette glace, Grand Corps Malade observe le monde qui l'entoure. Je suis un artiste très ancré dans mon époque, hein. Je ne suis pas dans ma bulle, loin de tout. Voilà, je lis les journaux, je regarde la télé. Mettre des mots sur le monde qui m'entoure, ça me permet aussi de le comprendre, d'émettre un avis, de poser cet avis noir sur blanc. Et en 2023, certains sujets sont inévitables. Il fait souvent 60 degrés, chaque été est un test où les riches vivent sous la clim et les pauvres ne vivent plus. Vu l'urgence climatique, je peux difficilement écrire tout un album sans du tout traiter le sujet. Après, pourquoi je le traite? Bien sûr, pour essayer de faire réagir, de tirer une sonnette d'alarme. S'il y a 2-3 personnes à qui ce texte fait un peu écho et donne envie de faire bouger les choses, bah, c'est peut-être déjà ça. Quand c'est son propre reflet qu'il observe, Grand Corps Malade a un flow bien plus incisif. Écoutez. J'ai tutoyé l'idée que mes poèmes se baladent. J'écris donc je suis et je suis Grand Corps Malade. Et c'est une sorte d'ego trip. Là, je parle de moi, de mes sentiments, de mon rapport à l'écriture, à la scène. Et pendant 5 minutes, comme disent les jeunes, ça kick. Mais finalement, quelle est sa définition du reflet? Le reflet, voilà, c'est un peu un portrait, mais c'est un peu plus flou que ça, c'est un peu plus diffus. Je trouve poétique ce terme. Toute la poésie de Grand Corps Malade est à retrouver sur Reflet. C'est dispo, foncez. Cet autoreflet va vraiment s'arrêter là.